Churo, papa na melodie. L'amour c'est compliqué, c'est pas du tout facile. Faut taper ton cœur en amour, y'a pas d'orgueil. L'amour c'est compliqué, c'est pas du tout facile. Gros cœur, mange pas du richot. Du Sankara. Au commencement, c'est doux comme du miel. Mais un moment, ça brûle comme piment. Quel que soit ton rang social, l'amour ne badine pas. Quand tu es fan, tu deviens un enfant. Toutes les secondes, c'était le cortège de messages joués. Chérie, tu es où? Est-ce que tu as mangé? Promesse par-ci, promesse par-là. Bébé, oh, t'es l'amour de ma vie. J'ai mis bébé en confiance, elle est en sécurité. Bonsoir, je suis Bosco Mentos Nouvelle. Je suis promoteur culturel et PDG de l'entreprise Like Plus. Eh bien, ce n'est pas un préjugé. Il faut être égoïste pour pouvoir réussir dans ce monde d'entrepreneuriat. Il faut aimer l'argent, mais pas mettre l'argent devant, parce que la passion passe avant l'argent. Il ne faut pas mettre l'argent devant. Il faut être égoïste parce qu'il faut aimer ce qu'on fait. Il faut avoir confiance en soi. La confiance en soi amène certains à confondre la confiance en soi et l'égoïsme. Donc, je comprends certains qui appellent les entrepreneurs égoïstes parce qu'ils ne comprennent pas leur sens de vision, ils ne comprennent pas leur état d'âme et leur mindset. En fait, c'est ce mindset-là qui fait des entrepreneurs des personnes qui ont autant confiance en eux, des personnes qui sont fiers d'eux. Voilà. On m'appelle Gertrude Nadia Senandosa, chef du 2e arrondissement de Porto Novo, directrice de People Event et directrice de l'ONG Cœur d'Ange. Comme toute activité, les débuts des choses sont souvent difficiles. Et donc au début, on a eu un peu du mal à se faire connaître. On n'a même pas encore fini. On continue de se battre pour y arriver. Et donc, on a eu des difficultés avec des entreprises, les difficultés avec les clients, la clientèle qui n'est pas facile à gérer, les difficultés avec d'autres entreprises qui étaient déjà sur le terrain, qui n'aiment pas qu'on vienne leur arracher leur place. Et ensuite, le soutien des uns et des autres, surtout en termes d'événementiel, d'organisation. On a du mal à souvent avoir des sponsors pour aider et pour vous booster. Je suis une personne qui aime que les choses soient bien organisées. Et donc mon premier événement, malgré que j'ai déposé les demandes de sponsoring, j'ai eu vraiment du mal à rassembler le maximum. Ce qui a fait que je suis allée dans le fond de ma propre poche pour pouvoir organiser l'événement et pour que ce soit le top des tops.